Les armées sont tombées dans ces filets et ont été présentées au commissaire divisionnaire adjoint Sylvano Kasongo. C'est un reportage de Dichala. Cinq bandes d'inciviques qui sémaient la désolation au sein de la population kinoise ont été mises hors d'état de nuire. La police nationale congolaise ville de Kinshasa a mis la main sur ces malfrats. Le premier groupe est spécialisé dans l'extorsion des voitures, communément appelées ketch. Un autre extorque les motos, un autre encore s'est constitué en reseller des ketch volés. Ces hors-la-loi ont été présentés au commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo. Le quatrième groupe, lui, est constitué des Kuluna, responsables de plusieurs méfaits, aux zones et quartiers de Maluku, où ils extorquent fonds et biens des valeurs appartenant aux paisibles citoyens. Muzinga Kabaka Thomas est, lui, un acteur solitaire, disposant de plusieurs fausses vraies clés, des contacts avec lesquels il déverrouille les voitures ketch et s'en approprie. Les enfants qui infestent le boulevard du 30 juin, les vendeurs à la sauvette et d'autres étalages sans autorisation sur la place publique n'ont pas été épargnés. La police nationale congolaise participe activement à l'assainissement de la ville de Kinshasa et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Tous ceux tombés dans les filets de cette brigade ont été conduits au camp Lufungula. La fondation Victor Bosoku a volé au secours d'un jeune homme grièvement blessé à la jambe droite. Ce dernier réside dans la commune de Kimbanseke et a reçu l'assistance de cette fondation dont le social fait partie de ses missions. C'est de Kenina reportage. La fondation Victor Bosoku n'entend pas s'arrêter en si bon chemin à poser des actes de charité qui correspondent évidemment avec son cahier des charges. Victor Bosoku, son initiateur, était à Kingasani, commune de Kimbanseke, après avoir suivi par la voie des ondes les SES de la famille Lumami. Un jeune homme qui a connu un accident de circulation et qui a vu sa jambe droite fracturée et qui n'a pas reçu une prise en charge sanitaire adéquate. Ce sont des actions comme ça à encourager. Ce n'est pas Victor Bosoku, c'est Dieu en moi. Je lance un appel à maman Denise Nyakeo. C'est un appel de soutien, de collaboration entre la fondation Victor Bosoku et la fondation maman Denise Nyakeo. C'est très profond à cause de ce que j'ai vu. Nous allons prendre les premiers soins. Dada ne travaille pas, à mettre des provisions pour la famille de Dada. Nous allons ramener ici un médecin qui est notre partenaire avec un orthopédique pour s'enquérir de la situation, de sortir Dada dans cette situation. Un grand soulagement et réconfort pour les bénéficiaires. Je remercie Dieu de m'avoir fait rencontrer avec Papa Bosoku, que Dieu bénisse sa fondation et qu'il aille de l'avant. Les activités de la fondation Bosoku s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a lancé un appel à la solidarité nationale. Ouverture de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, le président de cette assemblée a invité les députés provinciaux à redoubler d'efforts au profit de la population de Kalemi. Même activité à Mongala et dans le sud Ubangi. Images et commentaires. Très parlementaire effectif dans l'Assemblée provinciale à Mongala, ce 30 mars 2023, la cérémonie d'ouverture de cette session ordinaire de mars a été présidée par Richard Mazungongweli, président de cet organe délibérant. Dans son speech, l'honorable président a indiqué les matières qui seront traitées tout au long de cette session. Présentation par le bureau du rapport de la gestion financière de l'Assemblée provinciale de la Mongala, suivi du contrôle interne de la comptabilité financière, période allant du mois d'août 2022 au mois de janvier 2023, soit 6 mois. Présentation par le bureau des différents rapports des vacances parlementaires, période allant du 30 décembre 2022 au 29 mars 2023. Audition, examen et adoption de quelques propositions et ou projets d'édits. La présente session ordinaire de Max Akalemi étant législative, le président de l'Assemblée provinciale de l'organe délibérant de Tanganyika a invité les députés provinciaux à une production accrue, axée notamment sur les arriérés législatifs et autres matières aux cheveux de cette population. Je voudrais simultanément complimenter le gouvernement provincial par la prémisse de son ministère de l'Intérieur et tous les services de sécurité de la province d'avoir maîtrisé la situation sécuritaire en province avec succès, comme le témoigne
la population. Comme à l'accoutumée, l'Assemblée provinciale du Soubangui a ouvert la session ordinaire de mars 2023, ce jeudi 30 mars, sous la présidence de l'honorable Nolomi Longadina Kodo, qu'entouraient les autres membres du bureau permanent, en présence du gouverneur de province, du vice-gouverneur de province, des membres du comité provincial de sécurité et de nombreux invités. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée provinciale du Soubangui a loué la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ramener la paix dans l'Est de la République. Il a en outre souligné qu'au-delà du fait que cette session est essentiellement de contrôle, les honorables députés provinciaux du Soubangui feront plus que cela. La session ordinaire de mars 2023 du mois est consacrée au contrôle parlementaire. Toutefois, l'Assemblée provinciale n'est pas à profit cette pour assurer le suivi et la supervision de la plupart du Fonds social et du grand gouvernement avocat. De sa base du mois, comme ça nous a été réclamé par le président de la République. Ouverture d'un atelier de renforcement des capacités dans les Kwelu, les agents et cadres de la DGDA ont salué cette initiative. Regardez. Cet atelier, la Direction générale des douanes et assises, inspection la ville de Kikwit, veut remettre à niveau les agents et cadres de son administration sur l'usage du logiciel Sidona World qui permettra d'avoir une douane dynamique, moderne, pour une maximisation de recettes du trésor public afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique. C'est ce qu'a expliqué l'inspecteur chef local de la DGDA Kikwit, Jean Kidimba Kongolo. Ces derniers ont invité les bénéficiaires à mettre à profit la dite formation pour rendre un bon service à la nation congolaise. À ce jour, la DGDA Bandundu quitte la douane manuelle et bascule à la douane informatisée. C'est pourquoi tout service qui opère dans le secteur d'import, export et des accises viennent d'avoir la possibilité de bénéficier de cette formation. Après celle des agents et cadres de la DGDA de l'inspection d'équipe. Le monde évolue à une vitesse vertigineuse, d'où il est utile de passer du manuel à l'informatique, a indiqué le maire adjoint de la ville de Kikwit, Charlotte Lula. Nous devons passer du manuel à l'informatique. Et pour moi, c'est un réel plaisir que cette formation avec le logiciel Sidona World soit vraiment un outil de qualité. À l'issue de cette formation, le DGDA Bandundu va quitter le stade manuel pour basculer vers la douane informatisée, tel est le vœu de son inspecteur local, Jean Kidimba Kongolo. Appel à la paix dans la province de l'Ituri, l'ancien deuxième vice-président du Sénat, John Tibasima, appelle les Ituriens à privilégier la paix. Il l'a dit ce samedi à son arrivée à Bounia après un entretien avec le vice-gouverneur de l'Ituri. Un reportage signé Junior Selemani. Sénateur Tibasima Mbogemu Ateni salue l'engagement de toute personne qui œuvre pour le retour définitif de la paix dans cette province secouée par les violences armées. Depuis 2017, déclaration faite ce samedi à son arrivée à Bounia. Pour ces grands notables, la population itourienne a tant souffert de la guerre avec des effets collatéraux visibles. D'où il est temps de voir l'avenir de cette province. Profiter de cette occasion pour apporter mes encouragements à tous ceux qui œuvrent pour le rétablissement de la paix, de la sécurité dans notre province. Assurer l'accompagnement de toutes ces actions-là, que ce soit au niveau des autorités provinciales, les ecclésiastiques, afin que nous retrouvions la paix et la sécurité, comme le prône le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut que les groupes armés cessent de tuer. Les groupes armés cessent de détruire. À quelques heures de la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, l'ancien deuxième vice-président du Sénat plaide auprès de la CENI pour une seconde prolongation de ce processus. C'est une occasion pour moi de joindre ma voix à tout cela et examiner positivement toutes ces demandes, d'accorder encore un mois aux opérateurs de la CENI en province ici, comme au Nord Kivu, pour que les Congolais dans cette partie du pays puisse s'enrôler. Lors de son séjour en Ituri, ses représentants du peuple prévoient dans son agenda une rencontre avec les différents groupes sociaux de l'Ituri. Soutien aux actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la présidente nationale de Bisso Peuple a mobilisé la population de Mbujimayi. Des précisions dans ses reportages.
Une délégation des Bissau Peuple sous la conduite de la présidente nationale Fifina Baligomwa a effectué les déplacements de Mbujimayi vide diamatifère, allié au regroupement à nous débattir le Congo Bissau Peuple par sa hiérarchie, a procédé à l'inauguration de son bureau provincial du Kassai Oriental du comité interfédéral dont à la tête de Madame Fifina, à qui le secrétaire général administratif, M. Cédric Longomba, a remis les symboles du pouvoir. La visite dans la ville de Mbujimayi a permis la formation en entrepreneuriat et une session de formation idéologique de membres à l'issue de laquelle des financements ont été octroyés aux participants en vue de la lutte contre la pauvreté. Cela dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Outre la sensibilisation au processus électoral à Mbujimayi, ville diamatifère était au menu et une grande foule s'est rangée à la cause, suivant les mots d'ordre de la présidente nationale. Et puis l'appel au soutien des institutions de la République et aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le maire de Likasi, salue la franche collaboration qui existe entre les habitants de la ville de Likasi et les services de sécurité. Junior Yangumba et Ricardo Bambessa signent ces reportages. Le maire de Likasi, dans la province du Haut-Katanga, encourage toute la population de la ville montagneuse à soutenir les efforts entrepris par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche d'une paix durable en République démocratique du Congo. Moi, j'estime qu'il faut donner encore la chance au président de la République. Nous avons vécu dans ce pays ici, moi j'ai une cinquantaine de révolus, et c'est la première fois de voir les agents de l'État aller en retraite et être rémunérés conséquemment. Et on voit comment les jeunes sont engagés en masse, ça c'est la première des choses qui me pousse à pouvoir soutenir le président de la République. C'est que j'ai fait une petite tournée, j'étais juste à Luambo ici, à Mkoneka, visiter les écoles. C'est là que j'ai senti le poids de la gratuité de l'enseignement. Trouver 300 élèves, 400 par classe. S'il y a des gens qui ne se rendent pas compte que c'est une révolution, bon, c'est peut-être le temps. Et c'est d'être assez attentif, voir ce qui se passe à l'Est. Donc le président de la République fait un effort pour mettre fin à la guerre. Nous avons intérêt à pouvoir l'accompagner pour que ceux-là qui viendront après lui trouvent que le chemin est déjà balisé. Le maire Mungomba Tamba Henry a également parlé de la nouvelle dynamique qu'il vient de mettre en place pour réduire les écarts de développement dans sa ville. C'est pour restaurer l'égalité des chances entre les sexes. Ça signifie qu'il faut encadrer par des conférences, la sensibilisation et donner la place à la femme. Ça, c'est un pari pour nous. On le fait déjà. Le maire de Likasi salue la franche collaboration qui existe entre les services de sécurité et la population consciente de ses droits de vivre dans un environnement calme et sécurisé, sans pour autant céder à des manipulations politiciennes. Clôture mois de mars, mois dédié aux droits des femmes dans le Congo central. Les femmes ont été sensibilisées sur l'auto-prise en charge. Reportage. Le mois de mars s'est clôturé en bonté dans les territoires de Mwanda, dans la province de Congo central, avec la ministre provinciale du genre, Carole Kiatazabuitambo, qui est allée au nom du gouverneur de province boucler les activités liées au mois de la femme dans ce territoire. La cérémonie a connu la présence d'un grand nombre de femmes de tous bords, militaires, policières, les femmes des entreprises, écolières, pour ne citer que celles-là. L'administrateur du territoire, Amina Panda, a eu quelques mots pour circonscrire l'événement avant que la ministre provinciale exhorte les femmes de Mwanda à accueillir de nouvelles compétences numériques pour s'adapter à la modernisation. Avec un peu de détermination et d'engagement, l'instruction numérique ne sera plus désormais un monde inclusivement réservé aux hommes, mais plutôt un partage inclusif pour la réalisation du bien-être communautaire. Le Congo central s'est tourné à travers de différentes structures provinciales à la mobilisation et à la conscientisation des femmes et des jeunes filles au sujet de l'importance de l'acquisition des compétences dans le domaine du numérique. Carole Kiatazabuitambo, petite fille de feu le président Kasavubu, a salué l'apport du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'accompagnement de la femme ainsi que le gouverneur de province Guy Bandundungidi qui ne cesse de soutenir la femme du Congo central à travers le dit territoire de la province. Elle a visité par la suite l'hôpital militaire de Kitona et le mess des officiers.
Dans plusieurs écoles, universités, entreprises et bien d'autres lieux publics, les différentes manifestations sont organisées pour clôturer les mois de mars dédiés aux droits de la femme. On retrouvait quelques activités dans ces condensés de Ricardo Kalala. Les femmes de l'Union congolaise pour les changements a réuni toutes les femmes de son parti venues de tout le coin de la capitale Kinshasa, du territoire de Massimanimba, dans la province du Kwilu et sur l'ensemble de la République. C'était autour des idéaux fondés sur le courage, la lutte contre le complexe lié à l'égalité entre hommes et femmes et surtout l'importance de la femme au sein de l'Union congolaise pour les changements parti cher à l'honorable Kika Tangima qui en est l'autorité morale. L'honorable Kika Tangima a exhorté à cette occasion ces femmes, membres de formations politiques au sein de responsabilités pour le développement social et l'autoprise en charge. L'autonomisation de la femme pour une société plus juste, ces thèmes étaient au cœur d'une journée de réflexion organisée hier dans le cadre de la clôture du mois de mars dédiée à la femme. Il s'agissait d'inviter les femmes congolaises réunies au sein de la structure, les Congolais, de participer massivement à la gestion de la vie publique. Les interventions ont également tourné autour de la contribution de la femme dans le développement de la société. Et pendant ces temps, à l'église Pierre-Angulaire, Mollard, de moments de louange et d'adoration pour remercier le Tout-Puissant de sa grâce durant ce mois de mars. Mois dédié à la femme était au rendez-vous des moments de louange, précédés par une sensibilisation sur les rôles du numérique dans le monde actuel. Devant les mamans de cette église, réunies au sein de la coordination des femmes de distinction, les révérends pasteurs Flori Kabangenundi les a invités à ne pas ignorer ce qui se passe dans le monde. Le numérique peut également être utilisé comme un canal d'évangélisation, d'où l'importance du thème retenu pour le mois de mars. Pour mieux clôturer le mois de mars, les mamans de l'église Pierre-Angulaire et même celles venues pour la première fois à cette rencontre de femmes ont chacune reçu un pain des mains de leur pasteur, le révérend Flori Kabangenumbi, un geste de cœur qui n'est pas passé inaperçu à leurs yeux. Lutte contre le VIH-Sida et les abus sexuels. Réunis dans une matinée d'échange, les membres du PNLS et leurs partenaires ont relevé la question de lutter contre les inégalités et les discriminations qui touchent les hommes et les femmes dans les domaines de la santé. Jean-Richard Coy, les reportages. C'était une matinée qui a permis aux femmes du programme de lutte contre le VIH-Sida et ses partenaires de réfléchir sur comment intégrer la question du genre dans les pratiques et les thématiques de recherche, dans l'objectif de prendre en compte la manière dont les rôles sociaux et le contexte culturel influencent la santé des femmes et des hommes sur la physiologie et la pathologie. Il s'agit de lutter contre les inégalités et les discriminations qui touchent les hommes et les femmes dans les domaines de la santé. Nous avons voulu clôturer ce mois consacré aux droits de la femme, réfléchir autour de l'éducation numérique, comment on pourrait capitaliser le numérique pour pouvoir promouvoir la lutte contre le VIH-Sida, plus précisément la prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles auprès de jeunes filles, auprès des adolescentes, mais aussi auprès de femmes. Actuellement, le numérique est au top. Nous voulions vraiment conscientiser, sensibiliser les femmes de notre programme pour qu'elles puissent être vraiment compétitives. Selon l'enquête démographique et de santé en RDC, 57% des femmes entre 2013 et 2014 ont déclaré avoir subi des actes de violence physique ou sexuelle. Les intervenants ont épinglé qu'aujourd'hui, les femmes représentent moins d'un tiers des personnes travaillant dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Plaidoyer pour la formation des spécialistes en chirurgie pédiatrique pour la prise en charge en République démocratique du Congo, des précisions dans ce reportage. C'est dans le cadre d'une mission humanitaire que ces éminents chirurgiens pédiatres sont venus à Kinshasa. Le professeur Devendra Kumar Gupta, en partenariat avec l'association franco-congolaise de chirurgie pédiatrique, a ramené de l'Inde une équipe et un matériel spécifique pour la chirurgie bénévole des enfants porteurs des cas de malformations diverses et variées. Il y aura des malformations rectales, il y aura des malformations des intestins. Il y aura des enfants qui ont des problèmes de différence de sexe. Hein, c'est une pathologie dont la prise en charge n'est pas tout à fait bien faite au Congo. Alors, en ce qui concerne les interventions que nous avons faites aujourd'hui,
c'est-à-dire des hypospadias, c'est une des malformations de la verge. Alors, il a très bien souligné, tous les cas que nous avons eus en ce qui concerne cette pathologie, ce sont des cas qui ont déjà été opérés. Et comme les personnes qui les ont opérés ne connaissaient pas très bien la pathologie, nous devons faire des reprises. Et ces reprises sont des opérations complexes. C'est-à-dire, si on les avait eues dès le début, en une heure ou deux heures, on aurait réparé la verge de l'enfant. La prise en charge médicale optimale des nouveau-nés et des enfants en général est un défi majeur dans le pays, d'où le plaidoyer porté par l'Association franco-congolaise de chirurgie pédiatrique à l'endroit des plus hautes instances du pays, notamment du président de la République, de soutenir le projet d'installation et de consolidation de la chirurgie pédiatrique en République démocratique du Congo. Suivez à présent cette journée de réflexion organisée sur la problématique des grossesses non désirées. Images et commentaires. Journée de réflexion sur les grossesses non désirées. Le personnel médical de l'hôpital général de référence de Kitambo a été sensibilisé sur la bonne utilisation du numérique et sur l'information sur le droit sexuel et de la reproduction. La situation de la santé sexuelle et reproductive reste toujours préoccupante en République démocratique du Congo, malgré plusieurs efforts déployés par l'ensemble des acteurs engagés dans la thématique. Une analyse révèle que la santé sexuelle et reproductive dans notre pays reste marquée par un taux de mortalité maternelle très élevé, une prévalence contraceptive très faible. Oui, la femme, elle doit être d'abord responsable d'elle-même. Parce que si la femme connaît ce qu'elle vaut dans la société, elle peut s'imposer ou elle peut réclamer auprès des décideurs. Nous sommes une maternité de référence qui a à son sein 66% de femmes. Comme on le dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est la femme qui fait passer l'éducation, la tradition d'une génération à l'autre. Et donc c'est de voir comment est-ce qu'on brise cette chaîne de transmission des valeurs négatives d'une génération à une autre avec l'implication de la femme. Et donc on est revenu sur le protocole de Maputo qui est un traité panafricain sur le droit de la femme qui regorge tous les droits de la femme dans leurs détails. AIPAS a organisé cette journée de réflexion pour permettre à ces femmes de relever les défis pour leur autonomisation. Les femmes œuvrant dans le PME ont clôturé le mois de mars, un mois dédié aux droits de la femme. Une journée enrichissante, elles ont appris beaucoup de choses, on les découvre dans ce reportage. À la CDCR, les femmes sont venues nombreuses écouter et suivre cette communication sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation. Elles ont été outillées à se rendre autonomes afin d'être utiles à la société. L'oratrice du jour a insisté sur le fait qu'une femme sans entrepreneuriat n'est pas une femme. La conférence du jour a connu la participation d'un échantillon de femmes de toutes les catégories qui, à la fin, ont échangé d'expérience. Nous, la Convention démocrate chrétienne, nous avons voulu les clôturer par des conférences. Et moi, j'ai en profité pour parler de mon expérience. Vous savez que nous sommes pendant l'année électorale. Il y a plusieurs femmes qui veulent embrasser le monde politique. Maintenant, peut-être, ils ont des difficultés, raison pour laquelle j'ai voulu partager mon expérience pour l'édifier. Une journée enrichissante pour ces femmes qui sont réparties avec un plus. Question de clôturer aussi en beauté le mois de mars, mois dédié aux droits de la femme. L'organisation était assurée par la CDCR et Jean-Philbert Mabaya, était représenté par Léon Libinza et l'honorable député national Jeanne Bemba, l'élu de Massimanimba. Sur la journée internationale des droits de la femme, les femmes de la RTNC Sud-Kivu ont été sensibilisées sur le thème de l'année suivante. Cela à travers une journée de réflexion organisée dans l'une des salles du bâtiment de la poste d'où la RTNC Sud-Kivu émet. Ces femmes des médias ont clôturé le mois de la femme. Certains thèmes ont été abordés, entre autres, l'historique de la journée de la femme, l'accession à la prise de décision et la place de la femme à la nouvelle technologie. Les femmes de la RTNC Sud-Kivu ont formulé quelques recommandations au cours de cette célébration. Vraiment, au nom du personnel et des féminins de la RTNC Sud-Kivu, nous présentons nos sincères remerciements d'abord
à notre directeur provincial, qui ne ménage aucun effort depuis qu'il est à la tête de cette maison, à pouvoir allier les femmes, comme il a dit, d'abord, et à pouvoir également accompagner les femmes. Tout en félicitant les personnels féminins de son entreprise, le directeur provincial de la RTNC appelle ces femmes à plus de responsabilités et à la maîtrise de l'outil informatique. La cérémonie a connu la participation du directeur provincial du Renatelsat et le directeur provincial du PTNTIC. Ils ont tous salué l'initiative des femmes de la RTNC. Et puis les jeunes de l'église du Christ au Congo, ville-province de Kinshasa, se sont réunis autour du thème « L'implication de la jeunesse pour une église, une nation émergente ». C'était au centre Bondeko à Limete. Reportage Paulette Lomba et fils Monuma. L'implication de la jeunesse pour une église, une nation émergente. Ce thème a fait l'objet des assises du comité exécutif provincial de jeunes de l'église du Christ au Congo, ville-province de Kinshasa, deux jours durant, soit du 30 mars au 1er avril 2023. C'était au centre Bondeko, dans la commune de Limété. Des assises ponctuées par quelques recommandations. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de rendre efficace ses contrôles parlementaires afin d'atteindre les attentes de la population de Kinshasa au gouvernement provincial de Kinshasa, tout en saluant les avancées du côté de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa au travers l'opération coup de poing et les travaux liés à l'éclairage des artères de la ville, nous relevons en outre une résurgence du phénomène Kuruna qui bat les ponts aux yeux et vues de toute la population impuissante. La dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est de notre province, marquée par des incursions de personnes armées dans les domiciles des paisibles citoyens sans défense aucune. Nous encourageons les jeunes protestants ayant des ambitions politiques de pouvoir s'élancer sur les différentes échéances électorales qui pointent à l'horizon, les rassurant de notre soutien à différents niveaux. Nous encourageons les autorités tant nationales que provinciales à pouvoir s'imprégner de la situation dégradante de nos frères de province de l'Est du pays, à savoir Ituri, le Nord-Kivu, aussi les provinces du Kwilu, plus précisément à Bagata, de Maïndombe, plus précisément Kwamout et le plateau de Bakéké, emploi à des tueries régulières. Le jeune de l'ECC reste optimiste quant au retour de la paix sur l'ensemble du territoire national. À l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Ludovic Lemandi a été élu président. C'est la délégation syndicale maison qui va challenger les syndicats extérieurs au mois d'avril. Images et commentaires. Lemandi, c'est bien lui que les agents ACGT ont choisi pour présider à la destinée du syndicat maison de ce service public rattaché au ministère des Infrastructures et Travaux Publics. C'est le résultat des primaires des élections organisées ce vendredi 31 mars 2023 dans la salle des 40 places du bâtiment administratif Tembe na Tembe. Les élections se sont tenues sous l'encadrement du secrétariat permanent de ce syndicat, conduit par le camarade Blaise Kumba Chukulu, qui a exhorté l'assistance en ces termes. Nous ne sommes pas en guerre les uns contre les autres, mais que nous sommes en train de travailler en interne au sein de notre propre syndicat, de manière à dégager les candidats qui vont nous représenter demain au niveau de grandes échéances. Je veux dire qu'il n'y a pas hostilité, il n'y a pas guerre. Sous la surveillance de M. Jean Makoukou, inspecteur du travail assisté de M. Séraphin Bintori de la même institution, les votants ont défilé un après un pour procéder aux cinq choix, à savoir le président, le vice-président, les secrétaires, le trésorier et le conseiller. À l'issue du vote, Didienne Joly a été choisie comme pour le poste de conseiller, Sifa Bagouma sera trésorière, Fanfan Bilonda sera secrétaire, Jeannette Lubumba fera office de vice-président et, nous l'avons vu plus haut, Ludovic Lemandi est élu président de ce syndicat des agents ACGT. À noter que cette élection est pour un mandat de 3 ans. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Restez branchés sur la RTNC. Prenez également rendez-vous avec Anita Luamba à 20h. Merci et bon week-end à tous.